Chers je suis Monsieur Aristide Lebongi professeur de philosophie. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur la logique et la connaissance, et plus précisément. Nous allons examiner le dernier point de ce thème numéro 3, à savoir la vérité et l'erreur. Mais le cours de ce matin sera porté sur la vérité. Petit temps. la vérité. Alors, en passant, je tiens à vous rappeler que, en étudiant la vérité ce matin, nous aurons deux séquences. La première séquence va porter sur sa définition et la seconde portera sur les différents caractères de la vérité. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première séquence, c'est-à-dire la définition de la vérité. Voilà, définition. Alors, chers apprenants, avant de commencer cette séquence, nous allons définir un objectif. Comme pour dire qu'à la fin de cette séquence, portant sur la définition de la vérité, Chacun de vous, en tant qu'apprenant de la classe de terminale, doit être capable de donner au moins deux des trois définitions de la vérité à partir de l'exposé du professeur. Et j'aimerais d'abord que nous fassions une petite rétrospective pour évaluer. Ce que nous avons étudié avec vous, bien sûr, sur la connaissance. Alors, parlons de la connaissance. Nous avons dit que la connaissance vient du mot latin conitio. Et le plus simplement possible, elle désigne le fait de connaître. Le fait de connaître. Autrement dit, c'est l'ensemble des idées ou des informations que l'on a de quelque chose. À côté de cette définition, nous avons examiné les moyens de l'acquisition de la connaissance. Et nous en avons cité trois doctrines, à savoir l'empirisme, le rationalisme et le criticisme. Parlant du rationalisme, nous avons dit que la connaissance ici est innée dans l'âme. Et quant à l'empirisme, ce qu'il faut retenir, c'est que la connaissance n'est pas innée, elle est acquise au moyen des perceptions sensorielles. Et le criticisme vient faire la symbiose, c'est-à-dire, vient montrer que la connaissance résulte du schéma entre la sensibilité et l'entendement. Comme pour dire que la connaissance vient de l'union entre les organes de sens et la raison. Après les moyens de l'acquisition de la connaissance, nous avons étudié l'importance de la connaissance. Alors, à ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est que la connaissance cherche à libérer l'homme. Et dans cette libération, nous avons deux aspects. Il y a l'aspect... Théorique et l'aspect pratique. Alors, les deux aspects qui justifient la libération de l'homme s'opposent au méfait de la connaissance. Du coup, nous comprenons que sur l'importance ou la valeur de la connaissance, cette notion constitue une source de malheur et de bonheur. Bref, la connaissance est un malheur nécessaire. Bien, ce matin, je l'ai dit au début, nous allons parler de la vérité, plus précisément de sa définition. Qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que là? la vérité Alors, chers apprenants, avant de définir la vérité, j'aimerais d'abord faire une petite différence. Parce que généralement, nous confondons la vérité et la réalité. Nous employons la réalité en lieu de place de vérité. La vérité. Alors, ce quoi la réalité? La réalité désignant ce qui existe. La réalité désigne ce qui existe, ce qui est, ce que l'on peut quantifier, palper. Exemple, le tableau. Et ce tableau que voici est une réalité. On peut le palper. Il a une forme. On peut le décrire. Mais lorsque je dis le tableau est... Blanc. Le tableau est blanc. C'est une affirmation. Alors, cette affirmation peut être vraie ou fausse. Donc, l'affirmation peut dire la vérité ou la fausseté. Donc, la vérité, dans ce sens, devient la valeur qui concerne mon affirmation. Vérité égale valeur qui concerne mon jugement. Voilà. Donc, le tableau est blanc. C'est un jugement. Je vais vérifier dans la réalité si ce tableau est blanc en ce moment là je dis quoi je dis la vérité donc je dis la vérité partant de quoi partant de la réalité partant de ce qui existe donc il ne faut plus dire que ce que je te dis est réel c'est la réalité non nous ne disons pas la réalité nous disons la vérité mais à partir de quoi à partir de la réalité et ce que nous voyons ce n'est pas la vérité mais c'est plutôt la réalité. Ne confondez pas ces deux concepts. Bien. Revenons à la question Qu'est-ce que la vérité À cette question, nous allons. répondre à partir d'un schéma. Le premier schéma, la première partie de notre schéma renvoie à l'étymologie. L'étymologie, donc l'origine du mot. Et la deuxième partie, Concernant le sens philosophique. Ici, philosophie. Bien. D'après le sens étymologique, la vérité vient du mot latin veritas. On écrit. Veritas, mon prononçons veritas. Donc le V se prononce V en latin. Alors veritas. Et qu'est-ce que c'est veritas? C'est le caractère, le caractère de ce qui est vrai. Donc, d'après l'étymologie, la vérité s'appréhende comme le caractère de ce qui est vrai. Alors, c'est quoi le vrai? Le vrai, c'est ce qui est conforme à la nature de quelque chose, sa valeur intrinsèque. Qu'en est-il en philosophie? En philosophie, la vérité est appréhendée selon deux sens. Le sens formel et le sens matériel. Donc, d'un côté, je mets vérité formelle. Et de l'autre côté vérité matérielle bien c'est pour dire qu'on définit la vérité en fonction de la forme du discours ou par rapport à la réalité que le discours exprime. Alors, ce quoi la vérité dans sa dimension formelle À ce niveau, la vérité est comprise comme l'accord de la pensée avec elle-même. accord de la pensée avec elle-même. La conformité de l'esprit avec ses propres convictions. Alors, à quel moment je dis la vérité C'est lorsque les propositions que j'utilise sont en harmonie avec elles-mêmes. Je vais prendre un exemple. Pour expliquer la vérité formelle. Bien, on peut effacer. On a défini la connaissance. Bien. Exemple de la vérité formelle. Tous les hommes, tous les hommes, courent, oh, tous chiens, courent donc. Dire, tous les chiens, tous les hommes courent. Or, tous les chiens courent. Donc, tous les chiens sont des hommes. Tous les chiens sont des hommes. Alors, cet exemple vous fait penser à quoi? Au syllogisme, à la logique formelle. Cette logique qui ne s'intéresse qu'à la forme du raisonnement. Alors, on va examiner la cohérence des propositions. Si tous les hommes courent et que les chiens aussi courent, donc les chiens sont des hommes. Formellement, mon discours est valide et le raisonnement est valide. Il est correct. Il traduit quoi La vérité. Un autre exemple. Tous les Africains sont noirs. Or, oh, les Tunisiens sont des Africains. Donc, les Tunisiens sont des Noirs. Yeah. Du point de vue formel, mon discours est Vrai. Et c'est ça la vérité formelle. L'accord de la pensée avec elle-même, l'harmonie qui existe entre les différentes propositions du raisonnement. Bien. Qu'en est-il pour la vérité matérielle Alors, en passant, je vais vous dire, la vérité formelle renvoie à la logique formelle. Oh, nous avons posé la logique formelle à quoi à la logique dialectique. Donc, la vérité matérielle ici nous renvoie à ce que nous avons déjà étudié sur la logique dialectique. Alors, comment se définit la vérité ici À ce niveau, la vérité devient l'accord de la pensée avec l'objet qu'elle exprime. accord de la pensée avec la réalité qu'elle exprime voilà sous d'autres cieux là nous avons utilisé accord on peut utiliser le mot conformité on peut utiliser le mot correspondance, on peut utiliser le mot adéquation. Ce sont des termes synonymes à ce niveau. Donc, ne vous trompez pas, si vous voyez conformité quelque part, c'est la même chose. Donc, accord de la Pensez avec la réalité qu'elle exprime. La réalité ici, si c'est l'objet et le matériel. Alors, la vérité réside. Il faut dire dans la correspondance de ce que je dis et de la chose dont je parle. Je vais donner un exemple. J'espère que vous avez noté le premier exemple qui explique la vérité formelle. Nous allons prendre un deuxième pour dire la vérité matérielle. Voilà. Tous les hommes sont mortels. Tous les hommes sont mortels. Or, oh, tout. Les Congolais sont des hommes. Donc, tous les Congolais sont mortels. Voilà. Tous les hommes sont mortels. Or, tous les Congolais sont des hommes. Donc, tous les Congolais sont mortels. Alors, quelle est la réalité dont on parle ici Il s'agit des Congolais. Les Congolais sont des hommes. Et aucun être humain n'est éternel. Donc, tout homme est appelé à mourir. Puisque tout homme est appelé à mourir et que les Congolais sont des hommes, donc tous les Congolais sont appelés à mourir. Et cela peut se vérifier. N'y a-t-il pas des Congolais qui meurent Voilà. Il y a des Congolais qui meurent. Donc, aucun Congolais n'est immortel. Tous ne finiront pas mourir. Alors. C'est pour dire qu'il y a une correspondance nécessaire entre ce que je dis et la réalité. Mais la réalité, ici, c'est quoi C'est la mortalité. Et la mortalité qui n'échappe pas aux, aux Congolais. Je peux prendre un autre exemple. Un autre exemple. Quand pour dire, le tableau est blanc. Le tableau est blanc. Mais regardez la couleur du tableau. Ce tableau est peint de la couleur blanche. Et quand vous voyez ce que je dis reflète quoi la couleur du tableau. En ce moment-là, je dis la vérité. Pourquoi Parce qu'il y a l'accord entre ma pensée et la couleur du, du tableau. En réalité, la vérité ne dépend ni du tableau ni de moi mais de l'accord entre ce que je dis et la couleur du tableau. On peut schématiser les deux vérités. La vérité formelle peut être schématisée de cette manière. Pensez. Pensez. Donne de quoi? Vérité. Donc l'accord entre la pensée aboutit à la vérité. Et je ne tiens pas compte de la chose dont je parle. Je me seulement à quoi? À la forme de mon raisonnement. Et la vérité matérielle peut être schématisée de la manière suivante. Pensée Objet, donc la réalité, du coup, j'aboutis à quoi À la vérité. Vous voyez Ça, c'est le signe de l'accord. L'accord entre les deux donne la vérité. L'accord entre mes propositions ou ma pensée avec elle-même donne la vérité. Alors, chers apprenants, la vérité, au sens étymologique avant nous dit, désigne le caractère de ce qui est vrai. En dehors de l'étymologie, nous avons deux sens en philosophie. La vérité formelle, on définit la vérité par rapport à la forme du raisonnement. Ici, elle s'appréhende comme l'accord de la pensée avec elle-même. Et s'il faut définir la vérité du point de vue matériel, elle devient l'accord ou la conformité de l'esprit ou la pensée avec la réalité qu'elle exprime. Donc nous avons trois définitions ici. Mais au-delà de ces trois définitions, ce qu'il faut encore retenir, c'est que la vérité à trois contraires. La vérité à trois contraires. Bien. Je effacer. Pour remplacer les contraires de la vérité. Bien. Le premier contraire de la vérité, c'est L'erreur. L'erreur. Alors, ici, l'erreur se comprend comme le fait de se tromper. le fait de se tromper. Alors, à ce niveau, l'acte n'est pas volontaire, mais il est plutôt involontaire. Nous allons y revenir lorsque nous allons étudier l'erreur. Le deuxième contraire de la vérité, c'est le mensonge. Alors, c'est quoi le mensonge Le mensonge, c'est le fait de dire volontairement le contraire de ce qui doit être. Le fait de dire volontairement le contraire de ce qui doit être. Oui. Donc, l'erreur est involontaire, pendant que le mensonge est volontaire. Chers apprenants, nous avons fini avec... La première séquence, celle qui consistait à définir la vérité. Nous passons présentement à la deuxième séquence, à savoir les différents caractères de la vérité. Et c'est le petit b. Les caractères les caractères de la vérité bien avant d'entamer cette deuxième séquence nous allons, nous fixer un objectif. Comme pour dire qu'à la fin de la séquence portant sur les caractères de la vérité, l'apprenant de la classe de terminal doit être capable d'expliquer au moins trois des quatre caractères de la vérité à partir des connaissances acquises. Comme d'habitude, chers apprenants, on va faire un petit retour en arrière pour réévaluer, il faut dire, rappeler ce que nous avons étudié en amont. Bien, nous venons d'étudier la vérité, plus précisément sa définition. Et à ce niveau, nous avons dit il y a trois définitions de la vérité. La première, elle est étymologique. La deuxième définition, elle est formelle. Et la troisième définition est matérielle. Bien. Qu'en est-il alors des caractères de la vérité D'abord, il faut expliquer le mot caractère. Et nous allons donner le terme synonyme. Quand nous parlons des caractères de la vérité, nous voyons la nature de la vérité. D'ailleurs, la nature se définit comme l'ensemble des caractères d'une chose. Donc, parler des caractères de la vérité n'est autre que parler de sa nature. Bien. Nous allons schématiser. Les différents caractères de la vérité. Caractère de la vérité. Voilà. On distingue? Quatre caractères de la vérité. Nous allons les énumérer. Le premier caractère que nous allons étudier, c'est l'objectivité. L'objectivité. Après l'objectivité, nous parlerons de la relativité. Relativité. Et après la relativité, nous allons parler de la falsifiabilité. Par Et enfin, nous allons clôturer avec l'absoluté. Falsifiability. fiabilité alors absoluté. donc à la ligne astérisque l'objectivité l'objectivité existe en science donc, en parenthèse, science. Alors, ce quoi l'objectivité. L'objectivité désigne le caractère de ce qui est objectif. Et la vérité est dite objective lorsque son existence ne dépend ni de la volonté, ni des sentiments, ni de la conscience de l'homme, mais uniquement de l'objet autrement dit la vérité objective est une vérité qui dépend essentiellement de l'objet elle existe indépendamment de nos sentiments indépendamment de nos opinions indépendamment de nos sentiments de nos préjugés de nos appréciations voilà alors cette vérité revêt un caractère universel et elle se trouve être en science. Je vais donner un exemple pour justifier la vérité objective. Mais avant l'exemple, il convient de retenir chers apprenants que la vérité objective est elle peut être vérifiée elle peut être constatée si bien qu'elle se rapporte aux objets d'expérience ou aux objets sensibles. C'est pour dire, on peut confronter quoi? La vérité avec les faits. Exemple. Exemple. L'affirmation L'affirmation selon laquelle L'affirmation selon laquelle l'eau est composée. l'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène est une vérité objective. Alors, on peut prendre ce corps, l'eau, ou encore, on prend deux atomes d'hydrogène. On associe avec quand? un atome d'oxygène. Et automatiquement, on aura quoi On aura l'eau. Cette formule ne dépend pas de moi, cette vérité ne dépend pas de moi, pas de mon appréciation, pas de mes sentiments, mais dépend de quoi Dépend de l'objet qui n'est autre que l'eau. Bien, donc on va noter la définition ici pour dire la vérité objective dépend de l'objet et non L'homme. Voilà. Après l'objectivité, nous allons parler de la relativité. Deuxièmement, astérisque, relativité. Cette vérité se trouve en, en science et en philosophie. La relativité. Alors, ce quoi la relativité La relativité désigne le caractère de ce qui est relatif. Ce que se rapporte à quelque chose. Bien. La vérité est dite relative lorsqu'elle dépend d'un certain nombre de facteurs. Et ces facteurs sont au nombre de trois à savoir, il y a l'homme, il y a le temps. Et enfin, l'espace. Voilà. Donc, définissons d'abord, nous avons dit, la vérité est dite relative quand... Elle dépend voilà quand elle dépend de points de l'homme donc du sujet du temps et de l'espace bien à quel moment cette vérité dépend de l'homme parlons d'abord de la philosophie à quel moment cette vérité existe en philosophie? Alors, la vérité relative existe en philosophie parce que la philosophie est avant tout une pensée essentiellement personnelle, rationnelle et critique. Alors, à ce niveau, nous comprenons que la vérité change. D'une personne à une autre. La vérité est variable. La vérité est subjective. Voilà. La vérité est subjective. Elle dépend du sujet, de celui qui parle, de celui qui sent, de celui qui apprécie, de celui qui juge. D'où l'expression à chacun sa vérité. Déjà en classe de seconde, vous avez étudié la pluralité des définitions philosophie. Vous avez dit, s'il existe plusieurs définitions philosophie, c'est parce que chaque philosophe a sa manière de concevoir, a sa manière d'interpréter les phénomènes naturels. Autant de philosophes, autant de définitions de la philosophie. C'est la même chose ici. Autant d'interprétations, autant de vérités. Du coup, on comprend que la vérité varie d'un individu à un autre. Et cette vérité relative a été énoncée depuis l'Antiquité par Protagoras. La vérité énoncée depuis l'Antiquité par Protagoras. Alors, qu'est-ce qu'il dit Protagoras Voici ce que ce grand sophiste de la Grèce antique a dit pour justifier la relativité de la vérité. L'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui existent et de leur nature, de celles qui ne sont pas et de l'explication de leur existence, de leur non-existence. Bien, nous allons couper et prendre la première partie. L'homme est la mesure de toutes choses. Bien, sont est cité par Vladimir Grigoriev. Cité par Vladimir Grigoriev. Dans son ouvrage titré Philo de base, Philo de base, aux éditions publié aux éditions Marabout, c'est l'essentiel des références. publié aux éditions Marabout en France en 1992. Et la pensée se trouve à la page 30. Page 30. Alors, revenons sur la pensée de Protagoras. L'homme est la mesure de toute chose. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? La vérité dépend de celui qui perçoit. La vérité dépend de celui qui parle. Donc, lorsque vous rentrez en contact avec le monde, l'appréciation que vous donnez du monde dépend de vous. Et cette appréciation traduit d'une manière ou d'une autre une certaine vérité. Autant d'appréciation, autant de vérité. Alors, deuxièmement, la vérité relative existe en science. Et à ce niveau, elle dépend du cadre spatio-temporel. D'abord, du, du point de vue du temps. Du point de vue du temps. La vérité change au fil du temps. Ce qui est vrai aujourd'hui peut devenir faux demain. Ne dit-on pas autre temps, autre mœurs Quand pour dire que chaque époque a ses réalités et la vérité ici change en fonction de ces réalités. Exemple. Exemple. En classe de seconde, vous avez étudié dans le thème numéro 4, plus précisément dans la cosmogonie chez les Grecs et chez les Africains, la conception des pluralistes, Démocrite et Lucrèce. Alors, selon Démocrite, le monde est né à partir des atomes. Or, les atomes ici sont insécables. Les atomes constituent la plus petite particule de la matière. L'atome est indivisible. Mais lorsque nous arrivons au temps moderne, avec la naissance de la physique quantique, on se rend compte que l'atome et la théorie de l'insécabilité de l'atome a été remise en cause. L'atome n'est plus défini comme la plus petite particule de la matière. L'atome n'est plus insécable ou indivisible. Pourquoi Parce que dans l'atome, nous avons les neutrons, les protons, les électrons. Vous voyez? Si l'atome devient la plus petite particule de la matière, qu'est-ce que nous allons dire Des neutrons et des protons. Vous voyez? Cette vérité qui a existé pendant plusieurs siècles devient une fausseté. Une autre illustration. Au premier siècle, après Jésus, bien sûr, il y a un savant et un géographe grec appelé Clodo Ptolémée. Ce géographe grec a développé la conception géocentrique du monde, donc le géocentrisme. Pour lui, la Terre est fixe. C'est plutôt le Soleil et les astres qui tournent autour de la Terre. Mais avec l'évolution de la science, lorsque nous arrivons au 16e siècle avec Nicolas Copernic, le savant polonais, cette théorie géocentrique du monde est remise en cause. Elle est remplacée par quoi? Par l'héléocentrisme. Désormais, la théorie de Claude-Ptolémée, qui était considérée comme vraie, devient une fausseté. Alors, que dit le lieu centrisme La Terre n'est pas fixe. La Terre est en mouvement de rotation. Elle tourne autour du Soleil et autour de son orbite. Et alors, vous comprenez par là que... La vérité a évolué, elle devient évolutive, elle devient dynamique, elle change au fil des époques. Ne sommes pas surpris si un jour un autre savant venait pour nous dire et la Terre et le Soleil, les deux sont en mouvement de rotation. En ce moment-là, cette théorie de Copernic, que nous considérons comme une vérité, finira par devenir une fausseté. Donc, chaque époque a ses réalités, chaque époque a ses vérités. Alors, pour comprendre ces deux illustrations, nous allons nous appesantir sur la pensée de Giorgio Poltizer dans les principes élémentaires de la philosophie. Giorgio Politiser Giorgio Politiser. Le titre de l'ouvrage: Principaux élémentaires de philosophie. Principe élémentaire de philosophie, bon, publié aux éditions sociales, aux éditions sociales à Paris en 1972. Yeah. Nous allons prendre quelle page Nous prenons la page 67. âge 67. Voici ce qu'il dit en substance. Bien. Libère d'abord l'espace. Mettre la pensée de George Paul Tizier. Erreur hier. Erreur hier. Vérité aujourd'hui. Erreur hier. Vérité aujourd'hui. Mais erreur demain. Mais erreur demain. erreur hier, vérité aujourd'hui, mais erreur demain. Ça veut dire quoi? Ce qui était considéré comme une erreur hier, aujourd'hui devient une vérité. Et ce qui est considéré comme une vérité aujourd'hui, demain, cela pourrait devenir une erreur. C'est pour dire que la vérité est temporelle. La vérité est momentanée. Donc, change par moment. Bien, prenez vos boîtes de conserve. Lorsque vous prenez vos boîtes de conserve, on met deux dates la date de fabrication et la date d'expiration. Ça veut dire quoi Dépasser, par exemple, le produit est fabriqué en avril 2019. Et la date d'expiration, on met mars 2021. C'est pour dire que la vérité existe entre la date de fabrication et la date d'expiration. De passer le mois de mars 2021, la bête n'est plus consommable. Ce n'est plus la vérité. C'est maintenant quoi L'erreur ou la fausseté. Voilà. Bon, on continue. Nous avons fini avec le facteur temps. Nous allons chuter sur le facteur espace pour clôturer la notion de la vérité relative. Alors, à ce niveau, nous allons dire... Que la vérité dépend de l'espace, autrement dit, varie d'un endroit à un autre. Ce qui est vrai au Congo peut devenir faux en France et inversement. En classe de quatrième, voire troisième, vous avez fait un peu de physique, un peu de chimie. L'intensité de pesanteur. G, ici au Congo, G égale 10 newtons par kilogramme. Mais lorsque vous arrivez en France, ce n'est plus la même valeur. 9 newtons par kilogramme. C'est pour dire ce qui est ou ce qui pèse ici au Congo, en France, l'objet devient un peu léger. C'est pour dire que le Congo et la France n'ont pas les mêmes réalités. Et puisque les réalités ne sont pas les mêmes, ces deux espaces ne peuvent pas avoir la même vérité. La vérité change aussi. Un autre exemple très simple. Vous êtes à Brazzaville, vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un qui est... Bon, vous êtes à Wenzhou, vous appelez quelqu'un qui est à Ngamakoso, oui, vous avez du mal à l'entendre. Mais, mais je vous entends à peine. La personne vous dit Il pleut abondamment ici à Ngamakoso. Mais pourtant, Wenzé et Ngamakoso, c'est toujours Brazzaville. C'est pour dire quoi Que entre Wenzé et Ngamakoso, il y a une différence. Bien que nous sommes à Brazzaville, mais ces deux endroits n'ont pas la même réalité. Ce qui est vrai à Wenzé devient faux à Ngamakoso. Ou ce qui est vrai à Ngamakoso peut devenir faux à Wenzé. Blaise Pascal. Blaise Pascal explique la relativité de la vérité dans son ouvrage titré Les pensées. Pascal. Bien. Voici ce qu'il dit en substance. Vérité au-dessous des Pyrénées, erreur au-delà. Vérité au-dessus des Pyrénées, erreur au-delà. Vérité au-dessus. Des Pyrénées. Erreur au-delà. Bien, où se trouvent les Pyrénées Les Pyrénées se trouvent en France. N'oubliez pas que Blaise Pascal là, était un penseur. Français. Alors, nous allons schématiser. On suppose, eh bien, on suppose que nous venons de schématiser les Pyrénées. Ce qui est vrai ici peut devenir une erreur de l'autre côté. C'est pour dire que la vérité n'est pas éternelle. La vérité n'est pas éternelle. Chaque endroit a ses réalités et chaque endroit a sa vérité. De même que la justice. Au Congo, la personne peut être acquittée, mais quand elle va arriver en France, au sujet du même problème, la personne est condamnée. Donc, il n'y a pas de justice universelle il n'y a que des justices partielles. Donc la justice est relative aux réalités de chaque nation. Oui. Bien, pour ne parler que de la justice, montrer que la justice change d'un pays à un autre. La justice change d'un moment à un autre. Bien, qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de la relativité Nous avons dit que la vérité relative dépend de trois facteurs. Le premier facteur, c'est l'individu. Si la vérité est individuelle, dépend de celui qui parle, dépend de celui qui sent. Bien. Et la vérité qui dépend de l'individu s'oppose à la vérité objective. Parce que si on dit la vérité est subjective. Alors, le deuxième facteur, la vérité relative dépend du temps. La vérité est temporelle. Elle n'est pas éternelle. Elle n'existe pas pour l'éternité. Ce qui est vrai aujourd'hui peut devenir faux demain. La vérité est provisoire. Elle est dynamique. Elle est mobile. La vérité est muable. Voilà, elle est muable. Le troisième facteur et le dernier de la vérité relative, c'est le facteur espace. La vérité change d'un milieu à un autre. Ce qui est vrai à Brazzaville peut se révéler faux à Pointe Noire. Bien, chers apprenants, prochainement, nous allons évoquer les deux autres facteurs. J'allais dire les deux autres caractères de la vérité à savoir la falsifiabilité et l'absoluté. Falsifiabilité. Cette vérité existe en... En science. Pour récapituler, nous venons d'étudier les différents caractères de la philosophie. Non, les différents caractères de la vérité, pardon. Nous avons dit il y a quatre caractères. L'objectivité, la relativité, la falsifiabilité et l'absoluté. Voilà, et notre étude. Notre étude a été portée sur les deux premiers caractères à savoir l'objectivité et la relativité. Parlons de l'objectivité, nous avons dit la vérité est dite objective lorsque son existence ne dépend ni de la volonté ni de la conscience ni des sentiments de l'individu, mais plutôt de l'objet. Quant à la vérité relative, nous avons dit, c'est une vérité qui se rapporte soit au sujet, donc à l'homme, soit au temps, soit à l'espace. Donc la vérité relative ici, c'est une vérité qui... Change, une vérité qui change, dynamique, une vérité évolutive, une vérité provisoire, ce qui n'a rien à voir avec une vérité définitive. Alors, prochainement, nous allons revenir sur les deux autres caractères de la vérité qui ne sont autres que la falsifiabilité et l'absoluté. D'ici là, nous allons nous revoir pour achever le travail que nous venons d'amorcer. Au revoir.